Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 21 octobre et c'est mon premier jour de vacances. Donc aujourd'hui nous avons bougé à Cultura avec Elia puisqu'elle avait besoin de pâte Fimo comme ceci, voilà. Et donc du coup elle avait plus d'orange ni de rouge. Et voilà, je voulais vous faire un petit haul sur ce que j'ai trouvé. Donc si vous avez un Cultura à côté de chez vous. En ce moment, ils font du moins 50% sur plein de trucs de Noël. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Donc c'est vraiment un mini haul, hein. J'ai pas pris grand-chose, j'ai pas craqué non plus. J'aurais pris plus de choses. Même il y avait des calendriers de l'Avent en bois. Vraiment super sympa à moins 40%. Mais bon, voilà, ce mois-ci, ça y est, les comptes sont à zéro. Donc voilà, on va pas non plus trop craqué, et de toute façon on peut pas. Alors donc j'ai repris donc de la Fimo Soft pour Elia, donc c'est elle préfère la soft, donc un orange et un rouge, voilà, comme ceci. Donc elles sont à 1,99€, donc les pâtes Fimo. Et nous avons découvert aussi qu'il faisait le calendrier de l'Avent Fimo. Donc ça sera son calendrier de l'Avent de cette année. On cherchait, elle voulait au départ calendrier de l'Avent Lego Harry Potter, et finalement on va se mettre sur le calendrier de la Fimo. Voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc il n'y a pas, y a pas grand chose hein, du tout, mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu les mes petits achats. Donc c'est surtout des embellissements que j'ai pris. Alors j'ai cela, alors cela j'ai pas les prix et je sais pas où j'ai mis mais ça devait être dans les mêmes prix que les autres. Donc, je pense que ça devait être 1,99€ moins les 50%, ça devait être 1 euro quoi. Donc c'est des petites étoiles comme ça. Dedans on en a 1, 2, 3, 4. On en a 8. Alors, on a 8 rouges et 8 blanches. Et donc, sur les rouges, vous voyez, il y a marqué Noël. Voilà. Et les blanches, par contre, il n'y a rien écrit. Elles sont comme ça. Voilà. En feutrine. Et voilà. J'ai trouvé ça super sympa pour mettre sur des cartes ou des albums. Voilà. Donc, je les ai pris à 1 euro. Ouais, ben, il y en a 8. C'est écrit dessus. C'est écrit en gros. Hein. C'est pas comme si. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça super, super sympa quoi, pour mettre sur les albums. Ou les cartes, donc j'ai pris ça. Après j'ai pris des embellissements en bois. Alors il y en avait au taquet, j'aurais voulu tous les prendre, mais bon, quand je vous dis, le budget ne permettait pas. Donc vous voyez, 1,99€ moins les 50%, ça vous les fait à 1 euro. Et donc là j'ai pris les paquets cadeaux. Donc là nous en avons 4. Alors on a un paquet cadeau double comme ça, un autre comme ceci, un autre comme ça. Et un autre comme ça. Voilà. Donc les 4 paquets cadeaux, 1 euro. Alors je trouvais que ça faisait vraiment pas cher. Voilà. Donc du coup, je les ai pris. Alors il y avait aussi des genres de couronnes qui étaient vraiment super sympas. Il y avait des maisons, mais en relief. Alors celle-là, j'ai vraiment hésité pour les prendre. Donc peut-être la prochaine fois, je vais voir suivant le budget que j'ai. Donc voilà. Donc du coup, ça les fait à 1 euro. Donc là, il n'y a pas le moins 50, mais ils étaient à 50%. Vous voyez, comme là, il y avait des fois où c'était étiqueté et d'autres fois non, mais c'était bien à 50%. J'ai pris un ruban à donc 2,99€, donc moins les 50, ça fait 1,50€. Je le trouvais sympa avec le Père Noël, comme ça j'ai pas de ruban en fait de Noël. Et après, il y en avait un autre où il y a marqué, enfin il était rouge, et en gros, j'ai hésité, hein, mais bon, je vous dis, j'aurais pu prendre les deux, j'aurais pris les deux. Et donc il était rouge et en blanc il avait écrit le Père Noël est passé. Et franchement il était très sympa. Et celui-là, voilà, il est sympa, il est rigolo. Avec les petits rennes, les cadeaux. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça super mignon. Ensuite, j'ai pris encore des embellissements comme ça en feutrine. Alors là on en a 3 et 3, 6 à l'intérieur. Bon là c'est écrit. Hein. Et donc pareil, 1,49€, donc un peu moins cher celui-ci. Donc ça le faisait à moins d'un euro. Et il y a juste écrit bonne fête. Voilà. Donc je les ai pris parce que c'est rare d'avoir des mots en français déjà d'une. Et ouais, bah c'était surtout pour ça, pour avoir des mots en français. Et puis je me dis en feutrine, ça peut être sympa. Pareil, toujours pareil, posé pour des cartes ou des. Donc voilà, je les ai pris. Après, je vous dis, il y avait plein de choses. Hein. Même il y avait des gros sapins en mousse. Il y avait, enfin, il y avait vraiment pas mal de choses. Ensuite, un embellissement en bois, donc 1,99€, donc ça me les a fait 1 euro. Alors pareil, il n'y a pas le 50%, mais ça y était aussi. Et donc j'ai pris des sapins. Donc là, nous en avons un, deux, ben, quatre aussi, mais quatre différents, vous voyez. Donc un comme ça. Un
comme ça, pareil, alors pas posé sur des cartes, ou vu que je veux essayer de faire du mix média, pourquoi pas, voilà, je me suis dit, vu que j'ai un calendrier de l'Avent à faire, voilà, j'ai trouvé super sympa. Ensuite, pareil, un embellissement en mousse, donc nous en avons 8, donc j'ai pris des sapins, alors, il y en a des blancs et des gris, alors il y avait des embellissements aussi en... un peu en bois aussi, avec des sapins, des petites maisons. Enfin, voilà, il y avait vraiment plein, plein de trucs. J'étais des petits bacs comme ça, je sais pas, ça devait être la collection de l'année dernière. Par contre, ils ont rentré une collection cette année. Vraiment, il y avait vraiment des jolis, jolis trucs. On a regardé avec Elia, franchement, ça y est, ça met dans l'ambiance de Noël. Et c'est vraiment, voilà, super sympa. Mais, et puis, c'est leur marque à eux, en fait. C'est la marque Créalia, donc Cultura, comme ça, là. Et du coup, c'est beaucoup moins cher que le Toga ou... Voilà, donc ceux-là, ils étaient à 1,99€ et donc du coup, ça les a fait à 1€. Voilà, c'est des petits sapins basiques comme ceci en feutrine et ils sont dans le même style que ceux en bois. Donc, il y en a avec des ronds, avec des traits, tout ça, voilà. Et je les ai trouvés super mignons. Donc, les gris, on peut laisser gris et les blancs, l'avantage, c'est que je peux les colorer en vert si j'ai envie ou voilà, les laisser en blanc ou après, si je fais une carte vintage, pourquoi pas l'ancrer en, vous savez, en marron avec mon encre. Voilà, donc allez-y faire un tour, franchement il y a plein d'affaires à faire voilà, à Cultura avec ses, voilà, il y a beaucoup d'embellissements surtout, mais comme je vous dis, même ça, la bonne fête où c'est écrit en français, ça peut être intéressant. Ensuite, donc c'était pas en promo, mais j'ai craqué dessus, elles étaient vraiment pas chères. Donc c'est des feuilles de Noël. Alors moi, il n'y avait que deux modèles, donc j'ai pris les deux modèles, j'en ai pas pris plus. Hein. Elles étaient à 49 centimes, donc par contre c'est du Toga. Donc je les ai vraiment trouvées pas chères, parce que d'habitude c'est minimum 1€ la feuille. Donc là, 49 centimes. Donc j'ai pris celle-ci, donc elle est dans les tons de gris, comme ça. Elle est vraiment très très belle, avec des petites chaussettes de Noël. Des, donc voilà, vous voyez, tout de suite, on fait une carte avec ça, là... ça ressort, enfin c'est nickel. Et derrière, on a ça, donc ça fait comme de la... Vous savez, les trucs en moumoute, là, les plaids, enfin voilà. Donc le derrière, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai pris celle-ci, elle est plus dans le bleu, avec les flocons de neige, comme ceci. Elle est vraiment très jolie aussi, j'ai bien aimé. Je vous dis, pour 49 centimes, j'ai... on va pas se priver de prendre deux feuilles. Et avec ces deux modèles, hein. Après il y en a peut-être d'autres chez vous, regardez bien. Mais et derrière, voilà, ça fait un genre un pull tricoté, comme ça. Voilà. Donc 49 centimes, moi je vous dis, ouais, il n'y avait que ces deux modèles. Alors peut-être que chez vous, vous aurez d'autres modèles. Je pense que les gens, ils ont dû s'acharner dessus parce qu'il ne restait vraiment pas grand-chose. Voilà, ben, je pense qu'il y a d'autres parce que vous voyez, là il y a un 4, là il y a un 3. Donc je pense que voilà, il y a plusieurs feuilles, mais moi il ne restait plus que ces deux-là. Donc je pense que voilà, il doit y avoir... il doit y avoir plusieurs feuilles d'autres. Mais bon, tant pis si j'y retourne. De toute façon, il faut que j'y retourne pour le calendrier de l'Avent. Je verrai s'ils en ont rentré d'autres ou pas. Donc voilà, mes petits achats du jour. Donc je vous dis pas grand-chose. Mais voilà, c'était pour vous faire voir ce qu'il y avait à Cultura. Et surtout, ces petites choses-là, à moins 50%, franchement, voilà, ça vaut le coup. Donc ben, n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. Ça peut toujours... être sympa d'avoir des petits trucs à scraper pour Noël et pas trop cher. Et puis voilà. Bon, mais sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Salut !